Hey, bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode du jeu Sight. J'ai déjà fait quelques épisodes justement précédemment avec des bots qui étaient au niveau médium, mais cette fois-ci c'est notre première partie en vidéo YouTube avec des bots difficiles. Comment ça va fonctionner? Eh bien, je vais cliquer trois fois sur aléatoire et ça va décider justement de quelle nation nous avons et de quelle carte nous possédons. 1, 2, 3. Donc, nous avons la Polonia, encore une fois, avec la carte Ingénierie, alors qu'on peut voir la Crimée, la Saxonie, les Rusviètes et les Nordiques avec les différentes cartes. J'ai très hâte de voir comment on va réussir à gagner cette partie-là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai joué à Difficile. C'est parti! Let's go! Donc, ça, oui, on va y aller rapidement avec les autres. Mais de notre côté, on va prendre un peu de temps pour regarder quels sont nos objectifs. Comme là, ici, c'est choisissez jusqu'à deux options par quatre rencontres. Fait que les quatre rencontres sont très importantes pour nous. Puis sinon, avoir 3 points de popularité au moins. Et au moins 13 points de puissance et au moins 2 mecs. Ok, donc ça devrait être militaire. Ou au contraire, être pacifiste, avoir 0 points de puissance et 13 points de popularité et au moins 5 cavaliers. Ok, fait qu'on a le choix. Bonus de structure, c'est quand si on construit à côté d'un tunnel, c'est bon. Ok. Cool. Ça y va. Qu'est-ce qu'on commence? On va commencer par faire ça. On va se déplacer, on va aller chercher justement les points les plus importants. Soit les points de. Les jetons rencontres qui vont nous donner davantage. Ah, puis justement, on a des bonnes cartes militaires. On a quand même un 5. Donc, si on se fait attaquer, on va pouvoir quand même être en mesure de se défendre. Ok, les noirs qui font. Tout le monde fait produire ou déplacement. Hein, c'est assez basique. Nous, j'ai le goût d'y aller avec des ressources. Et je suis pas sûr. Non, je vais produire. Produire un bonhomme, puis du bois, puis on verra après. Non, c'est pas tout. Au début, c'est comme. C'est jamais évident, mais en même temps, c'est. Tu prends une décision. Faut que tu prennes une décision, puis tu vas avec. Comme là, je vais vouloir faire un déplacement. Un bonhomme va aller où le bois. Fait qu'éventuellement, quand je vais pouvoir chercher des points militaires, je vais chercher du bois. Une carte munition et un point de popularité, c'est pas tant cool. 2$ pour 3 unités de n'importe quelle ressource. Ah, ça, c'est quand même cool. Puis là, vu que je peux en prendre 2. Ah, puis 3 points de popularité pour déployer un mec. Et 3 points de popularité, c'est quand même beaucoup. Puis un mec, c'est 4 de fer, cependant, pour moi. Si je regarde ça, le fer est juste à côté, c'est pas trop pire. Je pense que je vais prendre 4 ressources de mon choix. Puis comme ça, je vais pouvoir faire 1, 2, 3. Et je vais pouvoir avoir l'enrôlement. Et là, je vais choisir, tiens, la popularité. Pourquoi pas, c'est parti. On va aller chercher ça. Super, c'est quand même très bon. J'aurais pu prendre 3 pétroles, qui est un peu plus loin, mais... On va se donner une chance, on va se donner une chance. Puis on veut construire un tunnel qui va nous permettre de quitter notre espace rapidement. Ok. Justement, là, je veux produire. Parce qu'on veut pouvoir faire le bois en temps et lieu. Excellent. C'est un très bon début de partie, à mon avis, là. Tout se passe bien, le plan fonctionne bien, mais là j'ai bien hâte de voir à quel point les autres, les bots, les intelligences artificielles vont être dominants. Ok, on a 3 de bois, donc on va aller chercher 2 points militaires et on va construire justement un tunnel pour partir d'ici. Je vais le construire ici. Et voilà, c'est fait. Donc prochainement, on va se déplacer. Encore aucune étoile n'a été construite. Il y a beaucoup de personnes un peu partout. Si je construis, je vais refaire du bois. Puis je vais avoir du sol, mais... je vais me déplacer. Mais aller chercher éventuellement le point de rencontre qui est là. Et si je fais ça, je vais être en mesure de construire un nouveau bâtiment rapidement. C'est quoi qu'il y a là? Ah, c'est du fer, c'est vrai. Mais non, je vais aller ici.
Je prendrai pas de chance. Je vais construire le plus possible de bâtiments. Je vais me faire un moulin. Le moulin va faire la différence en temps et lieu. Ouais. C'est clairement ça qu'il faut que je fasse. On va construire justement. On va perdre un point militaire, mais au moins on va aller chercher 3 de bois. C'est pas grave. C'est un jeu de stratégie. L'enrôlement a marché. On était cherché de la popularité à travers nos voisins. Sinon, j'ai très hâte de voir. Bon, ok. Là, c'est clair qu'on prend du militaire pour aller chercher du bois. 1, 2, 3. Et là, je vais faire. Idéalement, ça sera un moulin ailleurs que. Ah, my. Que le bois. Parce qu'il va nous rester seulement 2 à construire. Je vais quand même aller avec le moulin. Je sais pas. Non, je vais y aller avec ça. Let's go. Aller chercher des ressources, c'est bon. On va encore une fois se déplacer. Fait que. Faut que j'aille du fer. Faut que j'aille des mecs. Mais qui sait, peut-être qu'avec la rencontre, je vais être en mesure d'y parvenir. Toujours pas d'étoiles réalisées par quiconque. Let's go, on va chercher ça. Puis ici. Il me reste 3 bonhommes à construire. Je vais aller ici. Comme ça, je vais pouvoir les construire. Est-ce que je peux faire un mec? Eh oui, que je paye 4$ pour faire un mec. Oh oui. Puis je vais faire qu'on puisse se déplacer de un territoire plus vite. Let's go. Et recevez 2 points de popularité ou payer 2 points de popularité pour avoir 2 cartes munitions. Ah non. Let's go. Aller chercher de la popularité. C'est excellent. Ok, je suis content. On va pouvoir se déplacer plus facilement. Ça va bien. Ça va bien, même si on n'a encore aucune étoile. J'aime bien mon début de partie. Ça va vite, là. C'est ça qui est plaisant. On réfléchit pas trop. On agit avec instinct. Oh shit. Le noir commence à sortir. Même je vais aller chercher ce point de rencontre là. Qui est ici, là. Forcément que je me batte avec les noirs. Les noirs qui ont pas tant de points militaires plus que moi. Ok. Je vais construire ce qui me restait à construire. Et voilà. J'ai la première étoile à cause que j'ai le maximum de paysans sur le jeu. Puis là, avec mon mec, je vais aller les chercher. Excellent. Ok, les Noirs ont quand même déjà 2 mecs. Ça reste une civilisation militaire, donc c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir. Ok. Je me rends pas... Hey, je vais me rendre ici. Je vais aller chercher le point. Puis avec toi, je vais aller chercher du monde. Puis là, je vais aller chercher du fer. Puis avec le fer, je vais faire des mecs. Bon. Ah, 3 points pour une recrue. 2 points pour un point de propriété. Payer 2 points pour un ouvrier. Non, j'ai pas besoin d'ouvrier. J'en ai déjà. Fait que je vais commencer par ça. Puis je vais faire ça. Ouais, les 3 que je peux faire. Je vais avec des points militaires. Ouais. Et voilà, c'est fait. Excellent. Ils vont peut-être m'attaquer, mais là j'ai quand même 6 militaires. Je suis pas le meilleur, mais j'égalise les noirs, puis j'ai une carte de 5. Fait que si j'attaque les noirs, en théorie, je gagne au total. Mais bon, là je peux pas construire quoi que ce soit parce que ça va être colon, j'ai trop de monde là. Je vais y aller avec les ressources. Je vais aller avec un bois et tiens. Un de pétrole, éventuellement, je vais vouloir en avoir. Les rouges ont réussi le 6 améliorations, donc c'est assez intense, sachant que j'en ai fait aucune. Chacun fait ses choix. Calvasse, mais les améliorations, évidemment, c'est très avantageux parce que tu payes moins. Puis, hey, les noirs, ils reçoivent tellement de points militaires. Oh là là. Ok, on va se déplacer. On s'en va. Voilà, je peux pas aller là. C'est clair que je vais faire ça. Et là, je vais prendre des gens avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Juste, j'en prends 4. Pourquoi? Parce que... Hey, shit. J'attaque-tu? Hey, ça, c'est une bonne question. Parce qu'en ce moment, les noirs, ils ont 8 points. Ah, non. Je peux pas attaquer. Là, ça me prend des mecs. Ça me prend des mecs, c'est clair et net.
Je vais aller ici. Puis je vais produire. 1, 2, 3, 4. Puis j'attaquerai pas plus que ça. Je vais rester là. Non, je vais rester là. Terminer le déplacement. Oh oui, j'aurais pu aller plus loin, mais je vais rester en mode defense. Terminer le tour. C'est vraiment pas évident, là, des fois. Là. Déplacement, rencontre. Ok. Oh! Ah ben, Calvos, il m'attaque. Ben non, qu'il m'attaque. Si je fais ça, puis je fais ça. Ah, je perds. Va chier, pour vrai. C'était clairement pas ça qu'il fallait que tu fasses, mon ami. Ah, je vais mettre 1. Et il y avait une carte de 5. Il m'aurait pété. De toute façon. Pourquoi j'ai perdu ma carte de 5? J'avais une carte de 5. Je l'ai pas utilisé. Ok, phew. Je l'ai pas utilisé. Là. Mais ce qui est pas pire, c'est que là, ah, je peux pas me déplacer. Ah, plus, je peux rien construire parce qu'ils sont déjà partout quelque part. Prendre des ressources. Si je fais ça, ça marche pas. Je vais prendre des ressources. Je vais prendre 2 pétroles, puis éventuellement, ben, je vais faire l'amélioration. Là, je vais me déplacer après ça. Ah, les noirs font chier. C'est ça le danger d'être la Polonia, c'est que t'as une nation militaire au sud de toi. Puis, si t'as pas fait assez de points militaires, ils peuvent te péter la gueule. Comme ça vient de se produire. Puis en plus, il est allé chercher le point de rencontre. Il en reste un ici que j'aimerais beaucoup aller chercher. Et là, il a quand même tout utilisé ses points militaires pour venir me tuer. Fait que je vais quand même tenter une offensive. Si je fais ça, est-ce que je peux attaquer? Ah oui, je l'attaque certain. Puis toi, avec le monde, on va se déplacer en temps et lieu. On va commencer par faire la bataille. Fait que je vais mettre un 5, 6. Ah, je vais mettre un 4 avec un 1. Avec un 2, tiens. Et voilà, victoire. Je savais que t'allais mettre juste 1. Mais on prend pas de chance. C'est un computer. C'est un ordinateur. Deuxième étoile remportée. Ça va bien. Puis ça, il va au niveau des points. Là, qui mène. Les Nordiques mènent en ce moment. Même si je suis dans le vert, je suis dans la popularité, je suis dans le 3. C'est très serré. Ça va être une partie qui va jouer jusqu'à la toute fin. Hein. 7, c'est ça. C'est ça qui est plaisant. Peu importe ce qui se passe dans la partie, même si tu te fais décolisser, tout est possible. Un tour peut faire la différence. C'est déjà là, hein, les noirs viennent chercher 3 points. Et j'ai 14 points. C'est extrêmement serré. Si les jaunes se mettent à attaquer, ça va faire mal. Oh là là. Ok, je vais chercher une amélioration, je pense bien. Ah, si je... Ouais, je vais chercher une amélioration. Pourquoi il faut que je produise ça? Ah! Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je peux te revenir en arrière? Comment je fais? C'était pas la bonne décision. Ah! Je peux pas parce que j'étais difficile. Fuck! Ah, mais c'est pas grave. On va au moins créer une amélioration. On va aller chercher un point militaire ici. Et on va s'enlever, tiens, du fer. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. C'est une erreur, mais c'est pas une erreur grave. C'est de me reprendre autrement. Il n'y en a jamais de facile dans ce jeu de site. C'est ça qui est plaisant. T'as pas une game qui te dit, ah, ça doit être facile, je vais te calabattre tout le monde. Non. Non. Tout le monde a des chances de remporter la partie. Oh shit, ça c'est dangereux. Oh shit, très dangereux. Les noirs, ils pourraient utiliser beaucoup de cartes. Puis ils ont combien de points militaires? Ah, ils sont pareils comme nous. Aïe, 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 aïe. J'aime pas ça. On va aller à l'usine. Ah, je peux prendre la carte. Ah, je vais aller ici. Et bien plus loin. Non, je vais pas laisser les ressources, effectivement. Je vais partir avec les ressources. Mais je vais aller chercher la carte ici. Puis toi, avec presque tout ce beau monde-là, on va aller... On va aller plus loin que là, parce que là, il peut m'attaquer. Allez ici. Ouais. Et comme ça, j'ai la carte.
Bon, là, j'ai pas d'argent, mais si je fais ça, je peux faire une amélioration gratis. Ah ouais. Excellent. Donc, on va aller chercher. Déplacement. Non, pas déplacement. J'ai un mec. Une amélioration, mais juste une amélioration. Je vais faire un point de bonheur, puis je vais enlever. Tiens, comme ça. On va faire ça. On va l'essayer. J'aurais peut-être dû aller avec le bois, puis qu'il te donne 3 d'or, là, mais. Je sais pas. Là, je pense que les 4 rencontres, si je peux les éviter, ou du moins faire autre chose avec ça. Bon, y a plus de 4 munitions, on s'en calisse. Reste à savoir si on va se faire attaquer ou pas. Ok, let's go, on va se prendre des points militaires, là. Parce que ça ira pas bien sinon. 1, 2, 3. Le moulin ou le fer. Let's go. Puis en plus, on est en 2 tunnels. Fait que ça va nous donner bien des points. Justement, ça nous fait monter 3e. On a 6 points avec les bâtiments. Ok, c'est cool, c'est cool. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir, cette game là. Parce que là, c'est intense. Tout le monde commence à avoir des étoiles. Là. Il y a rien que les bleus mènent, mais ils ont juste une étoile. Et si on peut aller voler ces ressources-là, ça va être juste capoté. Ah non, il y a 2 mecs maintenant. Ah, ça aurait été fou raide. Fou raide. Parce que là, en ce moment, ben, les gens ont beaucoup trop de points militaires. Ils ont 14 points militaires. 2 cartes. Et on n'a pas tout ce qu'il faut pour les attaquer, là. Bon, on va construire. 5 de fer, 2 de bois, et là j'ai pas ce qu'il faut, on va améliorer. Les combinaisons sont pas les meilleures en ce moment de mon côté. Oh, il m'attaque à l'usine. Pas à l'usine, mais là. Oh, calbasse. Ok, je me fais genre carrément attaquer. Dis-moi pas qu'il y a un 5. Non, il y a un 5. Oh, j'ai tout mis pour rien. Oh, l'Union Russe-Viet. Vient de me péter la gueule. Eh bien, gang. Ça, c'est la défaite qui vient dire. Mon cornet, t'as perdu la game. Ah, oh, fait chier. J'espérais qu'il y ait un 4. S'il y avait eu un 4, j'aurais été correct. Oh là là. Ça va pas bien. J'ai tout perdu. J'ai perdu 5 de fer. Puis là, j'ai aucune affaire. Attends, les rouges, ils ont combien de forces militaires? Il en reste encore 7. Les jaunes sont forts. Plus rien à faire. Ah non, je suis décalisse. Alors, je vais partir avec mes ressources, là, mais... Plus rien à faire. Plus rien du tout. Ah! J'ai terminé un objectif. Eh oui, avoir 0 points de puissance et très. Ah, il est 0. Waouh, j'ai une étoile là-dessus. Mais allez, je suis rendu dernier, c'est sûr. Là. Même pas les rusiettes qui m'ont pété sont derniers. Arc! Sont venus me scraper ma game dans le fond. J'espère que d'autres vont se battre là. C'est vraiment ridicule là. Je vais chercher 2 ressources, je vais prendre 2 de fer, puis je vais aller chercher un mec. On va faire ça, gars. C'est pas mal la seule chose qu'on peut faire. Je m'attends vraiment pas à gagner cette partie-là. Et voilà, je suis dorénavant dernier, suite à 2 défaites
cuissantes qui ont fait extrêmement mal. Hey, j'ai 17. J'ai 18 points de popularité. Là, je viens d'avoir l'étoile de la popularité. Mais ouf. Sérieux, ça fait mal. Bon, on va se déplacer. Avec ce que je peux. 1, 2, 3, 4. On va en laisser un là. Où est-ce qu'on va? Les rouges. Ah, les rouges ont plus de points de popularité, mais ont 14 cartes. Cri, je l'attaque. Je vais aller chercher mon fer. Puis, je pars aussi avec... Ouais, c'est ça. Mon... Un autre mec. Je vais pouvoir mettre deux cartes. Un. Ah, même pas besoin, juste une carte. Je mets juste une carte dans le fond. Ah, mais il faut que je mette un absolument, je pense. Si je veux avoir une carte. Parce que oui. Bon, je vais faire ça. Je vais quand même chercher tout mon fer et j'espère pouvoir le maîtriser par la suite. Ah, même si j'ai mis un, j'ai pas eu de carte. Parce qu'il n'y a plus de cartes. Qu'est-ce que je suis con. C'est clair, il n'y a plus de cartes. Ça le dit, épuisement des cartes militaires. Est-ce que je vais me faire attaquer? Est-ce que je vais pouvoir survivre? Est-ce que je vais pouvoir construire de quoi? J'ai même pas besoin de bonheur en ce moment. C'est pas l'idéal. Ah, les noirs se sont fait péter la gueule. Puis là, je peux pas aller chercher ça. Non, pas les noirs, mais les jaunes. Arc, j'aurais tellement voulu aller chercher ça. Bon, fuck off. Je vais créer de quoi d'autre, là. Ah, militaire ici. Et voilà, la game est finie. J'ai perdu. J'ai les 6 étoiles. Mais c'était de la merde. C'est... Sérieusement, je me suis fait décalisser solide. Je m'attends à finir peut-être 3e. Gros max 3e. J'ai vraiment eu beaucoup de popularité, là, mais... Chris, je mène en ce moment. Non, non, ça va changer. Je peux pas en gagner. Que ça a passé proche. Je suis 2e. J'ai perdu par 4 points. 4 points seulement. Et les Nordiques qui l'emportent. Oh shit, j'ai fermé le truc. Ah, wow! Parce qu'ils sont allés chercher la popularité suffisante. Hey, il y avait combien de popularité? Je suis vraiment curieux. Je peux-tu voir les détails? Niveau 3, ça ici, niveau 2. Hey, il y avait combien de points de popularité? Hey, j'étais en égalité avec les Roosevelt. Hey, c'était serré finalement. Wow! Qui? Il y avait combien de popularité? 14. Puis ça en prend 13. Ok. Ah, si ça aurait été malade de gagner ce game-là, mais bon. Une belle reprise, une belle reprise. Il y en aura d'autres.